Voici le plus grand centre de physique des particules du monde, le CERN, à cheval entre la France et la Suisse, près de Genève. Les chercheurs du monde entier viennent y étudier l'infiniment petit, tentent de comprendre de quoi la matière est composée, de découvrir de nouvelles particules et quelles sont les lois qui régissent l'univers. C'est ici qu'a été découvert le fameux boson de Higgs en 2012, Graal des physiciens, et qui a valu un prix Nobel l'année suivante à Peter Higgs et François Englert. C'est ici aussi qu'a été fondé le web, le réseau Internet que nous utilisons tous. Et c'est dans ce lieu d'excellence mondiale qu'est organisé depuis 15 ans un stage unique d'une semaine pour les professeurs de sciences de l'éducation nationale. Un stage en immersion complète de formation à la physique des particules pour des professeurs très demandeurs venant de toute la France, y compris des Outre-mer. L'ambiance pendant cette semaine, c'est extraordinaire parce que les profs, ils sont très intéressés et motivés. Et nous, bien sûr, nous sommes très heureux d'avoir beaucoup de profs au sein. Soyez gentils, c'est le seul moment où je vais être un petit peu gnangnan, mais essayez de respecter vraiment les horaires. Avec une vingtaine d'intervenants, une demi-douzaine de visites d'installation, une quinzaine de cours et de conférences thématiques et une véritable séance de travaux pratiques, le programme est dense. Un programme organisé et concocté par le chercheur Nicolas Arnaud, qui est aux manettes de cette formation depuis 2012 et qui a vu passer plusieurs centaines de professeurs stagiaires. On ne doit pas être loin maintenant d'environ 400 professeurs qui ont participé au programme depuis ses débuts. Et cette année, en fait, on a une promotion plutôt plus importante que les autres années, parce que 2023-2024, c'est l'année scolaire de la physique en France. Donc, pour célébrer cet événement important au niveau éducation nationale, on a doublé la promotion et donc cette année, on a environ 45 professeurs qui participent à l'édition 2023 du programme des professeurs au CERN. On pourrait imaginer que l'ambiance est assez académique, mais on essaye de faire quelque chose de beaucoup plus ludique, beaucoup plus intéressant. Les profs viennent sur leur temps de vacances. Là, c'est la première semaine des vacances de la Toussaint. Donc on essaye d'avoir une ambiance décontractée, mais en même temps une sorte de rigueur scientifique. Et donc l'emploi du temps est assez dense. Donc je pense qu'ils seront contents vendredi quand ça se terminera. Ils auront fait vraiment une vraie semaine de travail. Avant de démarrer cette vraie semaine de travail, les 45 professeurs attendent de ce stage plusieurs choses. Je suis là pour approfondir mes connaissances, trouver des idées de ressources. L'objectif, c'est aussi de développer des projets à côté au lycée pour motiver les élèves à étudier ces domaines et à développer leur intérêt dans ces filières-là. Parfaire mes connaissances en physique des particules, parce que j'en avais fait un petit peu dans mes études, mais ça n'avait pas vraiment été mon domaine spécifique. Donc là, je suis content déjà ce matin. On a fait un bon passage en revue et puis on a appris des choses. Et puis surtout, on a des intervenants de très grande qualité, donc on va pouvoir poser plein de questions et ça, c'est apprendre plein de choses. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis après, repartir avec de nouvelles idées d'activités pédagogiques pour les élèves. J'attends un socle de connaissances un peu plus important en physique des particules pour pouvoir être un peu à l'aise quand je discute avec les collègues, être un peu moins perdu. Les visites, apparemment le CERN est encore en activité, donc on ne pourra pas rentrer dans l'accélérateur vraiment, mais les visites, c'est toujours très intéressant. En attendant les premières visites des installations du CERN, les professeurs démarrent leur semaine de stage par des cours et des conférences. L'une d'elles présente aux professeurs différents types d'outils pédagogiques d'enseignement de la physique à l'école, des outils dont ils pourront se servir pendant les années scolaires à venir. Alors j'ai commencé par leur présenter qui nous sommes, Science à l'école, c'est-à-dire que nous sommes un dispositif ministériel qui a été fondé en 2004 et nous avons deux grands types d'actions. La première action, c'est ce qu'on appelle les plans d'équipement, c'est-à-dire que nous avons du matériel scientifique que nous mettons à disposition des établissements qui en font la demande, les collèges, les lycées, pour permettre de réaliser des séances de travaux pratiques, des activités avec leurs élèves. Et le deuxième volet de nos actions concerne quatre concours nationaux et internationaux, le concours C'est génial et également la participation française à trois Olympiades internationales, l'Olympiade internationale de chimie, celle de physique et celle de géosciences.
Et puis très vite, Romain Madard, physicien au CNRS, emmène les stagiaires dans une plongée au cœur de la physique des particules et des interactions en jeu dans l'infiniment petit. Je pense que le truc qui est important, c'est de partir de ce qu'ils connaissent et pour les emmener graduellement à ce qu'il faut leur donner comme message, à ce qu'il faut leur délivrer et vérifier un petit peu le long du chemin que chaque étape est à peu près comprise et qu'il n'y ait pas vraiment de points bloquants qui empêcheraient en fait la compréhension du message final. Et parfois, on revient un petit peu sur nos pas et on réexplique. Donc ça fait partie un petit peu du challenge, mais c'est aussi ça qui est intéressant en tant qu'intervenant, de trouver la bonne explication qui permet de le faire comprendre. Et souvent, ça nous force nous-mêmes à comprendre des trucs qu'on n'aurait pas forcément identifiés sans ça. Moi, ma motivation, c'est qu'ils soient contents, c'est qu'ils sortent de la session en ayant appris des choses. Et ensuite, alors évidemment, la finalité, c'est quand même qu'ils puissent exploiter ça dans leur milieu professionnel et le transmettre ensuite aux élèves. Et je pense que si les professeurs qui viennent ici ont plaisir à nous écouter en tant qu'intervenants, naturellement, ils vont transmettre ces mêmes informations. Donc mon but premier, moi, c'est qu'ils sortent en étant contents de pouvoir avoir accès à cette information-là et qu'ils aient retenu des choses, quoi. La dimension de plaisir est importante. Ce n'est évidemment pas la seule conférence. Celle qui suit, du physicien Simone et Gilardoni, doit permettre aux enseignants de commencer à se familiariser avec les différents accélérateurs du CERN, leur fonctionnement, du synchrotron au LHC, le Large Hadron Collider, le plus grand collisionneur au monde. Ces programmes sont très importants parce que les professeurs sont celui qui forment les futurs chercheurs. Et donc, mis à part le fait qu'il est important de leur expliquer qu'est-ce qu'on fait au CERN, c'est aussi important pour moi de construire avec eux les outils pour former les générations futures des gens qui vont venir ici. Je pense qu'il faut voir les choses en vrai, dans le sens que c'est un concept et c'est une technologie qu'on développe, qu'on cherche d'expliquer. Les voir sur place, c'est assez différent que d'en parler via Zoom ou via une vidéoconférence. Ça devient tout de suite plus facile à comprendre quand on voit de quoi on parle. Et pour voir de quoi on parle, le CERN a préparé pas moins de 6 visites d'installation pendant la semaine de stage. De quoi voir les choses en vrai et en grand. Le détecteur Atlas, il mesure 45 mètres de longueur, 25 mètres de hauteur et pèse 7000 tonnes, comme la tour Eiffel. Ils aiment bien l'interaction avec des gens qui s'intéressent et leurs questions et aussi leur intérêt pour apprendre plus de choses par rapport à mon science. Entre eux, il y a toujours une interaction entre moi avec le public. Alors leurs questions me guident, plus de questions, plus de réponses, plus de connaissances. Alors, je m'adapte chaque fois aux intérêts de chaque groupe. Bien sûr, pour les enseignants, il y a beaucoup de questions beaucoup plus spécifiques et plus profondes. Avec ces visites, les professeurs voient la réalité de la recherche au jour le jour. Ici, devant la salle de contrôle du détecteur Atlas, l'un des 4 grands détecteurs qui étudie les collisions de particules au LHC, où une expérience réelle est en cours. Juste pour qu'on soit sûr que les données sont bien enregistrées et sont de bonne qualité. Entre 2 visites d'instruments, les stagiaires approfondissent leurs connaissances à travers le visionnage d'un film sur la physique des particules et la visite d'exposition. Ces visites et les conférences permettent aux professeurs de bien consolider leur base en physique des particules. Mais l'enseignement de la physique n'est pas que théorie ou calcul. Ils passent aussi par de l'expérimentation, des manips, que les enseignants peuvent faire avec leurs élèves. Et là encore, les attentes des enseignants sont énormes. La partie expérimentale, construire un détecteur, construire une chambre à brouillard, ça c'est quelque chose qui nous intéresse vraiment, parce que nous, construire une chambre à brouillard, ça fait 3 ans qu'on essaye et ça ne marche pas très bien. Donc là, si on a des conseils d'experts qui ont l'habitude de faire cet atelier de formation régulièrement, il y a des chances qu'on fasse fonctionner la nôtre et ça, les élèves, ils vont adorer. Moi, j'aimerais bien faire une chambre à brouillard aussi, parce qu'on a des détecteurs de muons au lycée, mais c'est quelque chose de très... C'est juste des données et des statistiques à traiter. Et pour les élèves, c'est pas très visuel, donc j'aimerais bien arriver à faire une chambre à brouillard avec eux pour qu'ils puissent visualiser
des particules cosmiques, quelque chose d'un peu magique pour eux. Les organisateurs du stage ont donc prévu la réalisation d'une vraie expérience. La fabrication d'une chambre à brouillard qui permet de détecter des particules subatomiques, comme des protons ou des électrons par exemple. Une expérience simple que les professeurs de physique de lycée peuvent reproduire en classe. Pour réussir à détecter ces particules, il faut suivre une procédure bien précise. De la carboglace, une chambre hermétiquement fermée, de l'alcool, et l'expérience se met en place. Étape par étape, les professeurs en stage apprennent ici, dans la joie et la bonne humeur d'une salle de classe, comment réaliser ce détecteur avec leurs élèves. Si l'expérience nécessite un matériel accessible aux classes de lycée, elle implique de suivre rigoureusement le mode d'emploi. Après une heure de mise en place et dans la pénombre, la magie peut enfin opérer. Dans le gaz refroidi, certaines des milliards de particules qui nous entourent vont laisser une empreinte éphémère dans la chambre à brouillard. Ce n'est pas la particule qui est vue, mais la trace qu'elle laisse en interagissant avec le gaz. Ici, là, il y a une espèce de petit rond. Des petites traces, oui. Il y a la vapeur qui recondense. C'est une espèce de petite ligne qui se crée. Et après une bonne heure de ces travaux pratiques, vient l'heure du retour et de l'échange avec Charlotte, la chercheuse qui encadre le groupe. Un moment important qui permettra aux professeurs de peaufiner leurs connaissances pour mettre en place cette expérience de retour dans leur classe. Et surtout, donner envie aux élèves de s'intéresser à la physique des particules. Car tout le but est là, donner envie aux générations futures de se lancer dans ces disciplines. Car loin d'être de la pure et simple recherche fondamentale, la physique des particules a des retombées sur nos vies. C'est ce que veut montrer le physicien Paul Lecoq, spécialiste de physique des particules au CERN et d'imagerie médicale avec une myriade d'applications dans le domaine de la santé. Ovationné à la fin de sa conférence, le chercheur a toujours fait le lien entre physique des particules et recherche médicale. L'imagerie médicale a toujours bénéficié de l'apport extrêmement important de la physique. Et je dirais, cela continue actuellement. Toutes les technologies complexes que l'on développe pour nos détecteurs OLHC peuvent être utilisées pour améliorer les performances de l'imagerie médicale, qui est un domaine en pleine expansion, et surtout avec, pour répondre à de nouveaux défis de la médecine, qui sont la médecine personnalisée, qui sont les maladies neurodégénératives, le cancer, etc. C'est très important de faire passer ce message aux gens qui sont chargés de transmettre ce message à la société. Et les professeurs, évidemment, sont en première ligne. Le fait de montrer que tout ce qu'on a fait, ce n'est pas uniquement théorique, virtuel, et réservé à quelques spécialistes, mais ça a un impact sur l'ensemble de la société, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, une autre chose qui m'anime aussi, précisément dans le cadre d'événements comme celui qu'il y a eu aujourd'hui, enfin qu'il y a avec ses professeurs, c'est précisément d'activer les liens de transmission vers le public et vers les jeunes générations. Le jour où les jeunes seront éduqués dans ce sens-là fortement, et je pense que ça sera un contre-pouvoir formidable à toutes les bêtises qu'on entend et qu'on voit passer dans beaucoup de médias aujourd'hui. Le besoin que l'on a, c'est de développer non pas l'envie de croire, mais l'envie de comprendre. Besoin de comprendre. Les professeurs en ont toujours l'envie. Après ces 5 jours de stage, ils ont droit à une dernière visite. Le détecteur CMS sur le LHC, le Large Hadron Collider. L'une des plus grandes expériences de physique fondamentale du monde. Et pour cela, il faut descendre à 100 mètres sous terre pour voir la caverne de service. L'installation frappe par son gigantisme, ses tailles absolument hors normes. Et la physicienne Gaëlle Boudoul fait visiter son domaine et partager avec enthousiasme ses recherches. Là, c'est chez moi, donc on est sur le site de l'expérience CMS.
Et donc c'est vraiment un lieu qui est magique, hein, parce qu'on a le détecteur sous nos pieds à 100 mètres sous terre, on a le hall d'assemblage tout autour de nous et on a la salle de contrôle pas loin qui pilote donc ce super détecteur. Bien sûr, ici, moi ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ce détecteur, donc je l'ai vu évoluer au fil des années, on l'améliore toujours et puis on fait tellement de belles physiques avec ce détecteur qu'on peut être que passionné pour être ici. Ouais. La promo de cette année est exceptionnelle, un cru très très bon. Donc ils sont vraiment super contents déjà d'être là et ça nous fait plaisir. Nous, on est contents de leur montrer nos installations. Et ils étaient très intéressés et je pense que du coup, ils vont ramener plein de messages très positifs dans leur classe. Et c'est ça qui est bien, c'est parfait même. Et pour conclure cette semaine de stage, les organisateurs ont tout prévu. Du restaurant, suisse comme il se doit, avec l'ambiance qui va avec. Jusqu'à la remise des diplômes, dans une atmosphère surchauffée, un peu comme dans une salle de classe.